Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces moments où nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ta parole et recevoir ta sagesse. Parce que nous voulons progresser avec toi, parce que nous voulons avancer, Seigneur. Que cet temps soit sous l'influence de ton esprit et de ton onction. C'est pourquoi nous te louons et nous te bénissons. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ. En toi, Christ. Notre Seigneur, au ce nom, au ce nom si merveilleux, au ce nom, au ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Au ce nom. Asseyez-vous quelques instants, les chants de rester là. On va parler de la troisième vertu qui est la crédibilité. Et dans la crédibilité,
il y a le nom à l'intérieur. Vous me suivez? Pourquoi le nom de Jésus est crédible aux yeux des démons? Pourquoi le nom de Jésus est crédible en face de la maladie? Pourquoi le nom de Jésus est-il si crédible dans les nations? Parce que la terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Hey!
Seigneur, pour son nom. L'Esprit de Dieu est dans cet endroit. L'Esprit de Dieu est dans cet endroit. Profite à bénir le Seigneur. L'Esprit de Dieu est dans cet endroit. Prie. Prie quelques instants. L'Esprit du Seigneur est dans cet endroit. Pourquoi nous chantons le nom de Jésus? Un nom qui n'a pas de crédibilité, n'a pas d'influence. Un nom qui n'a pas de crédibilité, n'a pas d'impact. Et ça ne fait pas trembler. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Oh my God, c'est parce que je dois enseigner, on aurait pu rester là comme ça. Est-ce que vous me suivez? C'est parce que je dois vous expliquer ces choses tellement importantes. Quelqu'un me suit ici? Asseyez-vous quelques instants. Merci les musiciens. Merci beaucoup les chanteurs. Vous savez, ce qui est formidable, beaucoup pensent que quand Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, les gens pensent qu'il était question du nom d'Abraham. Il était question du nom de Jésus qui est la semence d'Abraham. Non, vous ne me suivez pas. Il dit, les nations de la terre seront bénies à travers ton nom. Bien-aimé, le nom aujourd'hui qui bénit les nations de la terre, ce n'est pas Abraham. C'est le nom de Jésus. Mais Jésus est la semence d'Abraham. Jésus, vous comprenez, sort d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je vous assure, il pensait au nom de Jésus qui a été élevé. La Bible dit élevé au-dessus de tout nom. Quelqu'un me suit ici? Le nom de Jésus est plus grand que le nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelqu'un me suit ici? Mais Jésus vient d'Abraham. Vous me comprenez attentivement? C'est important que vous puissiez comprendre cette autre vertu, ok, qui est plus précieuse que l'or, qui est plus précieux que l'argent, cette autre vertu qu'on appelle la crédibilité. Dites la crédibilité. Et là, vous prenez Proverbes chapitre 21, verset 1. Proverbes chapitre 21, verset 1. La crédibilité. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? La crédibilité. Proverbes chapitre 21, verset 1. On y va. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Mm-hmm. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Ça, c'est 21.1? 21.1. Bon, OK. C'est pas grave. C'est 22. 22.1? La réputation est... La réputation est préférable à de grandes richesses. Ah, d'accord. Okay, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Ah, OK. Donc, 22.1. Vas-y, redis. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Est-ce que vous me suivez? La grâce, ici, c'est la faveur. Ce passage biblique nous donne les deux vertu. Il nous donne la réputation et la prochaine vertu qu'on va voir tout à l'heure, la faveur. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit la réputation. Dans la réputation, il y a la crédibilité, il y a le témoignage. Regardez, vous prenez Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1.
Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Retenez parfum et réputation, ok? Vous savez, le parfum, les odeurs, c'est la symbolique de la réputation dans le monde spirituel. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est la symbolique. Vous me suivez? Dans le monde spirituel, chacun d'entre vous, vous avez une odeur. Est-ce que vous comprenez ça? Vous me comprenez? Bien-aimé, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Chacun d'entre nous sur la terre, nous avons une odeur qui est unique. Quelqu'un me suit ici? Nous avons, regardez, vous pouvez prendre 3-4 personnes, vous pompez le même parfum sur ces 4 personnes, vous amenez un chien, le chien saura identifier qui est qui. Parce que malgré le parfum, il y a une odeur personnelle que nous dégageons qui se mélange avec le parfum. N'est-ce pas, les parfumeurs disent qu'un parfum réagit d'un corps à un autre, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir le même parfum, mais mélangé avec l'odeur de votre corps, ça va donner autre chose. C'est pour ça qu'il y a des parfums qui peuvent vous correspondre et d'autres qui ne peuvent pas vous correspondre. Pourquoi? Parce que le mélange du parfum avec votre odeur corporelle, vous comprenez, amène une odeur spécifique. Et ça, c'est la spécificité de l'homme. Dans le monde spirituel, chacun d'entre vous aussi, vous avez une odeur. Sinon, pourquoi lorsque Isaac a voulu bénir Jacob et Ésaü, il a parlé d'odeur. Il dit, ce sont les vêtements d'Ésaü, vous comprenez? C'est la peau d'Ésaü, mais c'est l'odeur de Jacob. Vous me comprenez? On a voulu camoufler, mais c'était impossible. L'odeur est unique dans le monde spirituel. Et l'odeur est souvent liée à la réputation et à la crédibilité. Quelqu'un me suit ici? Parfois dans le monde spirituel, si vous sentez mal, c'est parce que votre crédibilité, votre réputation a été détruite. Je ne sais pas qui a détruit votre réputation, mais sachez que ça peut être vous-même, ou ça peut être des personnes qui sont passées derrière, ou ça peut être des agents diaboliques. Et je vais vous expliquer pourquoi les agents diaboliques cherchent à détruire la réputation et la crédibilité de quelqu'un. Vous me suivez attentivement? Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Beaucoup d'entre vous, quand vous voyez la femme au parfum d'albâtre dans Luc chapitre 7 du verset 36 au verset 46, ok, certains ne comprennent pas l'acte que la femme a posé. Pourquoi la dame a utilisé un parfum pour oindre Jésus? Vous me suivez? Il y a un passage qui dit que cette dame était une dame de mauvaise vie. Il y en a même qui vont s'énerver, qui vont dire, si seulement il savait la femme qui était en train de le toucher, il n'allait pas permettre que cette femme-là puisse le toucher. Cette femme avait une mauvaise réputation. Quelqu'un me suit ici? Cette femme avait une mauvaise odeur dans le monde spirituel. Elle a pris un parfum qui sentait bon dans le monde naturel comme acte prophétique pour que Jésus puisse changer l'odeur spirituelle. Quelqu'un me suit? Et Jésus va changer l'odeur spirituelle de cette dame. Jésus dira qu'on ne connaîtra plus cette dame à cause de ce qu'elle a fait de mauvais, mais l'acte qu'elle a posé, on en parlera partout où cet évangile sera prêché. La preuve, j'en parle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Cette dame était prophétique, elle savait qu'elle avait une mauvaise réputation. Cette dame savait que Jésus pouvait changer sa réputation. Elle arrive avec une offrande, elle déverse, vous comprenez? Et regardez, l'avantage avec la réputation, c'est que la réputation est liée à l'onction Mimshak. Quelqu'un me suit ici? L'onction de l'expansion. Vous ne pouvez pas vous répandre, vous comprenez, si vous n'avez pas une bonne réputation, si vous n'avez pas la crédibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où vous irez, votre réputation va vous précéder. Quelqu'un me suit ici? Il y a des portes devant lesquelles vous vous dresserez. C'est votre réputation qui ouvrira les portes ou qui fermera les portes. Quelqu'un me suit ici? Votre réputation est liée à votre nom. Est-ce que vous me comprenez? Si votre nom a de la crédibilité, si votre nom a de la réputation, votre simple nom peut devenir une clé ou votre simple nom peut devenir un cadenas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est extrêmement important. C'est lié. L'onction Mimshak est pleinement liée à ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles, mes chers frères et sœurs, la Bible dit qu'elle oignit, vous comprenez, les pieds de Jésus. La Bible parle de oindre. Cet acte prophétique avait un rapport avec la Mimshak.
Quelqu'un me comprend ici? Et c'est pour ça que Jésus dit, on va parler de cette dame partout où cet évangile sera prêché. Quelqu'un me comprend ici? Et cette dame a été l'une des puissantes évangélistes à l'époque primitive. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes là? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Donc, ce dont on va parler là est tellement important que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous savez, certaines personnes sont prêtes à vendre leur crédibilité pour de l'argent. Ok, on va aller tranquillement dans les bases. C'est quoi la réputation? La réputation, c'est ce qu'on dit de toi. C'est ton témoignage. Ok, maintenant, à travers ta réputation, tu peux être crédible ou pas du tout crédible. Tout dépend de ce qu'on dit de toi. Est-ce que vous comprenez? Et tout dépend de pourquoi les gens disent des choses te concernant. Vous êtes toujours là? La Bible nous dit, le passage que nous avons lu, dit que la réputation vaut mieux que l'or. Maintenant, il y a des personnes dont la réputation est crédible et d'autres non. Crédible, c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un est crédible, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Ça veut dire qu'on croit en la personne. Écoutez-moi bien, il n'y a pas d'influence sans crédibilité. Or, le leadership, c'est l'art d'influencer. Alors, le leader, c'est quelqu'un de crédible. Si le leader n'est pas crédible, il ne pourra pas impacter. Quelqu'un me suit ici? L'une des choses que le leader doit travailler, c'est sa crédibilité. L'une des choses que le chrétien qui veut l'impact doit travailler, c'est sa crédibilité. Et qu'est-ce qui amène la crédibilité? La première chose qui amène la crédibilité, c'est le respect de la parole donnée. Tu es un homme de parole, tu es une femme de parole. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quelqu'un me suit ici? Déjà au niveau de ta parole, tu dois assumer ta parole. Pourquoi? Parce que ta crédibilité en dépend. Quelqu'un me suit ici? Et la crédibilité a une très grande valeur. Ne blaguez pas avec ça. Qu'est-ce qui amène aussi la crédibilité? Les résultats. Tes résultats, ta compétence dont on a parlé tout à l'heure. Ça amène ta crédibilité. Est-ce que quand tu fais les choses, ça réussit? Ou quand tu fais les choses, ça échoue? Vous me suivez? Si tu échoues tout le temps, ta crédibilité sera entachée. Les gens ne te croiront plus. Même les gens qui sont autour de toi ne te croiront plus parce que tu échoues tout le temps. Quelqu'un me suit ici? Vous imaginez un seul instant David se pointant devant Goliath et disant à Goliath, aujourd'hui je vais te tuer, je vais couper ta tête et je vais donner cela aux oiseaux. Il arrive devant Goliath, c'est Goliath qui le tue, c'est Goliath qui le tape et il s'enfuit. Vous imaginez sa crédibilité? Qu'est-ce qui a fait accéder David auprès du roi Saül? C'est sa crédibilité. Et comment est-ce qu'il a eu la crédibilité? Parce que les choses qu'il a dites se sont accomplies. Il a tué Goliath, il a coupé sa tête, il a donné sa tête aux oiseaux. Quand le roi Saül a vu cela, il a dit, j'ai besoin de personnes crédibles à mes côtés. Toi, tu es crédible, viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? La crédibilité. Non, j'ai un GR et les gens ne me suivent pas au GR. T'es pas crédible. C'est pour ça qu'ils ne te suivent pas. Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous savez, il y a des missions que je donne à certains. Je dis, écoute, fais ceci, fais cela. Et les personnes rencontrent des difficultés. Elles rencontrent des difficultés avec les personnes qu'elles dirigent. Et je dis souvent, quand je te demande de faire quelque chose et tu rencontres une difficulté, dis-moi que tu rencontres la difficulté parce que je vais débloquer la situation. Pourquoi je vais débloquer la situation? Parce que nous n'avons pas la même crédibilité auprès des personnes ici à l'église. Et la personne m'appelle, elle me dit, le frère tel ne peut pas se déplacer parce qu'il a autre chose. La sœur telle ne peut pas venir au truc que tu m'as demandé d'organiser parce qu'il a autre chose. Mais je sais que ces deux personnes doivent être là. Je prends mon téléphone, j'appelle, les personnes annulent leur agenda et viennent. Elles ne pouvaient pas annuler pour l'autre personne, mais pour moi, elles annulent. Pourquoi? Ma crédibilité.
Quelqu'un m'assoit ici. La crédibilité amène l'impact et la crédibilité est plus précieuse que l'or, que plus précieuse que l'argent. Je vous dis souvent que Walt Disney disait que fais les choses de telle sorte que les gens qui te voient faire appellent d'autres personnes pour venir voir ce que tu fais. Parce que tu le fais tellement bien qu'il va appeler les personnes, il dit, viens voir, je n'ai jamais vu quelqu'un chanter comme ça. Viens voir, je n'ai jamais vu prêcher comme ça. Vous savez pourquoi Jésus a eu le succès? Parce que quand il prêchait, il était tellement compétent. Vous comprenez? Qu'on a dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Il a parlé à la Samaritaine allait voir tout le village. Quel était le message de la Samaritaine? La Samaritaine allait dire, je n'ai jamais vu un homme qui parle comme ça. Regardez-moi ici. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? La conversation de Jésus et de la Samaritaine, c'était une démonstration de don spirituel. C'était la parole de connaissance qui était tellement précise que ça épatait. Et là, on comprend que la manifestation pertinente des dons spirituels nous rend crédibles. Donne-moi un grand amen. Et ça, tu dois me donner un amen. Donne-moi encore un amen. Vous me suivez? Qu'est-ce qui rend crédible? Qu'est-ce qui rend crédible? Hey, allons voir, j'ai trouvé le Messie. Il vient d'où? Il vient de Nazareth. Y a-t-il quelque chose de bon qui vient de Nazareth? Mais viens quand même voir. Ok, je m'en vais voir. Tac. Oh, Nathanaël, je t'avais vu sous le figuier. Oh, maître. Tout de suite, le gars, il se met au carreau. Pourquoi? À cause de la manifestation du don. Et là, il va lui dire, mais ça, c'est rien. Tu verras des anges monter et descendre sur moi. Tu verras des choses plus grandes. Tu verras des œuvres plus grandes. En d'autres termes, tes œuvres vont déterminer ta crédibilité. C'est pour ça que quand Jésus va juger les sept églises, il dira tout le temps, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Parce que tes œuvres déterminent ta crédibilité. Vous êtes toujours là? Quelqu'un me suit ici? S'il y a quelque chose que vous ne devez jamais perdre dans votre vie, c'est votre crédibilité. Je ne dis pas que le diable ne s'attaquera pas à votre crédibilité. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que la crédibilité est tellement importante, parce que c'est la vertu qui permet aux gens de te croire. Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque tu arrives dans une banque, on peut te prêter à l'un, on prête 500 000 euros et l'autre on refuse, parce que celui à qui on refuse n'est pas crédible aux yeux de la banque. Ça, c'est aux yeux de la banque. Selon la banque, la personne n'est pas crédible. Donc la crédibilité va t'ouvrir des portes. Tu ne peux pas bafouer ton témoignage à l'église, négliger ton service, faire des choses tout le temps médiocres et penser t'en sortir dans l'église. On ne t'appellera plus faire des choses. Vous me suivez? On ne t'appellera plus. Tu auras l'étiquette de quelqu'un de médiocre parce que la compétence amène la crédibilité. Et la Bible nous dit que la crédibilité est plus importante, la réputation est plus importante, la bonne réputation, elle est plus importante que l'or. Elle est plus importante que l'argent. Vous savez pourquoi Coca-Cola est la boisson la plus vendue? Parce que il fut un temps, la compagnie Coca-Cola était l'une des compagnies au monde qui investissait le plus sur sa publicité, c'est-à-dire sur sa crédibilité, sur son image, sur son nom. La compagnie investissait là-dedans. C'est pour ça que quand beaucoup arrivaient au supermarché, ok, ils voyaient un coca, ils prenaient. Ok, en dehors du goût qui a l'air bon. Il faut me suivre attentivement. C'est maintenant que beaucoup d'entre vous, vous savez que vos parents ont attrapé le diabète à cause du coca. Est-ce que vous suivez? Et quand tu prends le coca, on te dit attention le diabète. C'est maintenant qu'il y a plus d'informations là-dessus. Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous êtes là? Regardez, si vous êtes là, faites comme ceci. La crédibilité est tellement un atout majeur pour la grandeur que le diable s'attaquera toujours
à votre réputation et à votre crédibilité. Pourquoi? Parce que s'il veut te stopper et stopper ton impact, il doit salir ton nom. Quelqu'un me suit ici? C'est la raison pour laquelle je vous dis, oui, nous savons que la crédibilité est importante, ok? Il ne faut pas la salir. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on ne viendra jamais la salir, parce que Satan sait qu'un atout, c'est un atout tellement important qu'il va commencer à répandre des rumeurs sur vous, des mensonges sur vous, pour que les gens ne croient plus en vous et en votre message. Quelqu'un me suit ici? Alors comment faire? C'est là où le crédible des crédibles intervient. Ah! Le roi de la réputation. C'est lui qui restaure la réputation. C'est lui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est lui qui a la crédibilité qui est au-dessus de toute crédibilité. Il intervient pour restaurer votre crédibilité. Il y a quelqu'un qui me suit ici? C'est un atout très précieux, très important. Et la Bible nous dit que ça vaut plus que l'or, que ça vaut plus que l'argent. Votre crédibilité, c'est ce qui fait qu'on vous croit et on vous suit. Je disais que c'est un élément important pour avoir de l'influence. OK? Prenez le même discours de Barack Obama. Allez dans vos familles et dites, yes, we can. Je vais voir si ton cousin va te suivre. Pourquoi les Américains ont cru au yes, we can de Barack Obama? À cause de la crédibilité de Barack Obama. Le monsieur a fait des choses pour les cités de Chicago. Le monsieur a fait des choses en tant que gouverneur. Le monsieur a fait des choses au Parti démocrate. Il a fait des choses et des choses qui lui ont donné de la crédibilité. Quelqu'un me suit ici? Je vous dis, vous dites des choses, vous les promettez, vous ne les faites pas, ça détruit votre crédibilité. Je ne suis pas en train de dire que vous ferez forcément 100% de ce que vous avez promis, mais faites au moins 70%. Parce que si tu promets 100 choses et tu ne fais que 2, je suis désolé, tu es un bandit. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Prends le même discours que Martin Luther King. Essaye de venir là, ok? En pleine fête familiale. I have a dream. Essaye. Essaye. On va te lapider. Certains d'entre vous, vous avez même du mal avec le message de Christ. Vous me suivez? Essaye de dire, je suis la porte. Ah! Ah! Mais tu te prends pour qui? Vous êtes toujours là? Mais ce qui fait qu'on croit en toi, c'est ça, c'est ta crédibilité. Et ta crédibilité dépend de ta réputation, dépend de ton témoignage, dépend de ce que tu as fait, de ton excellence, de tes résultats. Quand tu parles, tu fais, tu te bats, ok? Ça dépend aussi de tes dons. Quand tu déclares quelque chose de manière prophétique, ça s'accomplit parce que ça rend mes chers frères et sœurs crédibles. L'une des choses aujourd'hui qui me donne de la crédibilité auprès de mes pères, père, P-A-I-R-E, pas auprès de mes papas, auprès de mes pères, auprès de mes contemporains, si vous voulez, auprès de mes collègues. Un jour, je regardais un de mes collègues et je lui ai dit, tu sais, j'aurai des grandes églises. Vous suivez? Et il est venu, il a vu comment nos églises ont grandi. Il a dit, waouh, tu me l'avais dit. Vous suivez? Un jour, je lui ai dit, on passait dans un média que vous connaissez et après, il y a eu des problèmes là-bas. Un jour, je l'ai regardé et je lui ai dit, j'aurai ma télévision et je serai sur Canal. Et quand on a été sur Canal, il m'a appelé. Il me dit, mais Alino, mais tu es trop fort. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Il dit, mais tu m'avais dit que tu allais être sur Canal. Il dit, tu m'avais dit que tu allais avoir des grandes églises, ok? Tu as eu des grandes églises. Tu m'as dit que ta télévision sera sur Canal, ok? Vous me suivez? Et je lui ai dit, c'est pas tout, je serai millionnaire. Ah, ça c'est toi au nom de Jésus.
Quelqu'un me suit ici? La crédibilité. Vous allez dire, mais est-ce que ça dépend de toi? Oui, ça dépend de toi. Parce qu'il y a un désir que Dieu a mis dans ton cœur. Ce désir n'est pas là en vain. Ce n'est pas en vain que tu sentes que cette voiture-là n'est pas pour toi. Ce n'est pas en vain que tu sentes que cet appartement-là, tu ne dois plus vivre dedans. Ce n'est pas en vain qu'à chaque fois que tu vois ton compte bancaire, tu sens que ce n'est pas le reflet de ce qu'il doit y avoir. C'est parce qu'au fin fond de toi, le Saint-Esprit te dit, voici là où je veux t'amener. Et tu dois le déclarer. Tu dois le dire. Vous savez pourquoi beaucoup ont peur de déclarer? Parce qu'ils ont peur que leur crédibilité se détruise. Vous comprenez? Pourquoi ils ont peur que leur crédibilité se détruise? C'est qu'ils ont peur que ce qu'ils ont dit n'arrive pas. Et ils ne comprennent pas que la frontière entre la foi et le risque est mince. Donc, si tu prends le risque d'affirmer par la foi, quelqu'un me suit ici, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver que de ne pas le déclarer. C'est pour ça que Dieu a changé le nom d'Abraham. Il a dit Abraham, il a donné Abraham, père d'une multitude. Et à Sarah, il a dit mère d'une multitude. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé à Abraham. Abraham avait du mal à le dire. Quelqu'un me suit ici. Et Dieu a dit, je vais changer ton nom désormais. Et pourquoi Abraham avait du mal à le dire? Abraham avait du mal à le dire parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et donc, ce n'était pas crédible de dire qu'il était père d'une multitude. Il dit, je vais te donner une solution. Tu changes de nom. Comme ça, même si tu ne veux pas le dire, ceux qui vont t'appeler vont le déclarer. Quelqu'un me suit ici? Toi, la seule chose que je te demande, c'est de supporter la honte. Donc, quand tu passes, tu entends, père d'une multitude, tu as honte un tout petit peu, mais tu supportes. Oui, vous m'avez appelé, mère d'une multitude. Oui, vous m'avez appelé. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est le risque à prendre. Quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un avec moi ici? C'est pour ça qu'il faut le dire, la Bible dit. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Donc si tu ne crois pas, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Il faut parler, c'est un risque. C'est un risque. Imaginez un seul instant, ok, il s'appelle comment? Que je l'ai dit, David, ce qu'il a dit ne s'accomplisse. Vous imaginez? Il a pris un risque. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Fais comme ceci. Et ça, c'est tellement, tellement précieux. Tellement précieux. Regardez. Quand le diable sait que tu commences à devenir influent, que tu commences à avoir de l'impact, que les gens commencent à te suivre, quand les gens te suivent, c'est parce qu'ils croient en toi. Et il croit en toi parce que tu es crédible. Vous savez, le radical de crédible, crédible vient du verbe croire. Celui qu'on croit, c'est ce que ça veut dire en fait. Quand il voit ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de détruire ta réputation. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, ok? Parce qu'il l'a fait avec l'apôtre Paul. Vous prenez 2 Corinthiens chapitre 6, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 8. Vas-y, lis. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, uh-huh. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, uh-huh. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parlait des persécutions qu'il a vécues. Hein. Mmh. Ok? Bouge tes pieds quelques instants. Bouge tes pieds, 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 hein? Bouge les pieds, lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains aussi, lève les mains. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. C'est bon? Vous êtes détendu là, c'est bon? Donc, si l'apôtre Paul a vécu cela, qui es-tu? Regardez, ce n'est pas parce que je parle de l'importance de la crédibilité
que vous devez maintenant penser que toutes les personnes dont la réputation a été attaquée ont forcément fait des mauvaises choses. Et on entend la fameuse expression, « Oh, tu sais, hein, il n'y a pas de fumée sans feu. » Expression diabolique, expression satanique. Quelqu'un me suit ici? Satanique. Et Jésus, c'était quoi le feu? Pourquoi on l'a crucifié? Parce que beaucoup pensent, OK, que derrière une rumeur, il se cache toujours une part de vérité. Ce n'est pas vrai pour Jésus de Nazareth. Quelqu'un me suit ici? Et Galilée. Galilée, vous comprenez? Qui disait que c'est la terre qui tourne autour du soleil et que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Il était condamné à mort, à moins qu'il puisse renoncer à ses recherches scientifiques. Galilée. OK? Il est obligé de renoncer. Et quand on l'amenait dans sa résidence surveillée, il a été condamné à être dans une résidence surveillée. Pendant qu'on est en train de l'amener comme ça, il a déjà renoncé. Il a écrit, je renonce à la théorie selon laquelle, OK, la terre tourne autour du soleil. Il a écrit ça, en fait. Et pendant qu'on l'amène en résidence surveillée, il murmure. Et pourtant, elle tourne. Et pourtant, elle tourne. Et pourtant, elle tourne. Quelqu'un me suit ici? Et Galilée! Eh! C'est l'Église qui a condamné Galilée. Ce ne sont pas les païens. Lisez. Lisez l'histoire de Galilée, l'inventeur Galilée. Lisez son histoire. Ce n'est pas les païens. C'est l'Église qui a condamné Galilée. Parce que l'Église était puissante. Et ce sont les mêmes chrétiens. Quand on répand des fausses rumeurs sur vous qui disent « Il n'y a pas de fumée sans feu », vous n'êtes pas différents des pharisiens. Des sadducéens, vous êtes des tombeaux blanchis, des races de vipères. C'est ça que Jésus a dit de telles personnes. Jésus l'a dit aux religieux. Il a dit quoi? Race de vipères. Ça, c'est Jean-Baptiste. Il dit, ces gens, ce sont des tombeaux blanchis. Tu vas comprendre quand que les critiques sont liées à la grandeur et que votre expression de « il n'y a pas de fumée sans feu », elle n'est pas vraie pour tout le monde. Quelqu'un me suit ici? Oh oui, je t'annonce cet après-midi qu'il y aura des fumées dans ta vie sans le feu. Vous comprenez? S'il y a un feu, ce n'est pas toi qui l'as allumé. Tu constates juste la fumée. Tu te dis, mais pourquoi je vis cela en fait? Pourquoi? Parce que le diable veut s'attaquer à ta crédibilité. Le diable veut s'attaquer à ta réputation. Parce que lorsqu'on s'attaque à ta réputation, on ne peut plus te croire. Il y a quelque chose qui s'est passé et c'était ça le but du diable. Et moi, je ne m'inquiète vraiment pas parce que Dieu a fait tourner cela en notre faveur. Lorsque nous avons eu les attaques de BFM TV, RMC, qui se sont mélangées aux personnes déloyales qui étaient à l'église il y a 4 ans et qui sont allées raconter des mensonges, des gros mensonges diabolique et luciférien, vous suivez, et que nous avons été attaqués, regardez comment c'était compliqué de dire à quelqu'un qui te demandait « Tu es de quelle église ?» Pendant cette période, vous voyez comment c'était difficile de dire « Mon église s'appelle ACER. » Je me suis retrouvé moi-même dans une telle situation. Pendant cette période, je suis à Saint-Denis, dans un supermarché, et il y a une dame qui me reconnaît. Sur TikTok, elle me dit, « Ah, vous, j'ai l'habitude de vous voir sur TikTok. Vous êtes pasteur ?» J'ai dit, « Oui, je suis pasteur. » Elle me dit, « J'aime beaucoup ce que vous dites sur TikTok. Votre église se trouve où ?» J'ai dit, « À Montreuil. » « Votre église s'appelle comment ?» J'ai dit, « Tu tapes sur Instagram ?» « Tu tapes sur Instagram, église pasteur Alain Patrick. » Et à la fin, je me suis dit, « What ?» Donc c'est ça que le diable, vous comprenez, voulait produire, que j'ai honte du nom de ma propre assemblée. Quelqu'un m'a suivi ici? Vous n'avez pas remarqué que c'était clairement attaqué? ACER, vous vous rappelez? Le but c'était de détruire la réputation. Vous me comprenez? J'ai l'impression aujourd'hui que quand je dis
je suis l'apôtre Alain Patrick, j'ai l'impression que ça passe mieux que lorsque je dis je suis l'apôtre d'ACER. Vous me suivez attentivement? Vous me comprenez? Mais le nom de l'ACER sera lavé. Sera lavé au nom de Jésus. Sera lavé au nom de... Vous savez ce qui s'est passé. Quand ça s'est produit, on m'a appelé. Un des pasteurs connus ici m'a appelé. Il me dit, apôtre, panique pas. Dieu est en train de permettre que les projecteurs soient sur le ministère ACER. Désormais, ici en France, ACER ne sera plus anonyme. Et là, j'arrive à une réunion des pasteurs. J'arrive à une réunion des pasteurs. Je suis étonné et impressionné que tous ces pasteurs me connaissent. Donc, j'arrive comme ça, s'il y avait des personnalités, des personnes vraiment importantes. Vous comprenez, il y avait des hommes politiques à cette réunion. Vraiment des personnes influentes. Il y a quelques personnes qui m'ont accompagné et elles ont vu. C'était vraiment une réunion de personnes influentes. Et j'arrive là. Quand j'arrive, je suis juste au deuxième rang et je suis parmi les premiers. Tous ceux qui viennent donc, qui se mettent derrière. Est-ce que vous comprenez? Quand ces personnes viennent derrière, donc, elles ne me voient pas véritablement. Et là, l'officiant dit, ok, je vais demander quand même aux pasteurs qui sont ici de se présenter. Je vais d'abord donner le micro à un pasteur que j'aime beaucoup, l'apôtre Alain Patrick. Et on me donne le micro. Je tiens le micro comme ça, les gens autour commencent à parler. Ils sont surpris que je suis là. Pourquoi? Parce que déjà, je suis quelqu'un de très rare dans le milieu évangélique. Vous ne me voyez pas partout. Et ils sont étonnés que je sois là. Vous me suivez attentivement. À la fin, j'arrive. Un des pasteurs me dit, j'arrive comme ça, un pasteur très connu. J'arrive comme ça, il dit, tant pis pour les jaloux. Et là, j'étais gêné. Je lui dis, oh! Tu as vu cette vidéo? Il dit, mais tout le monde a vu cette vidéo. Et là, je monte, il y a un autre pasteur qui m'a dit, tant pis pour les jaloux. Je dis, oh. Et l'un d'eux me pose la question. Un pasteur qui remplissait les salles au début des années 2000, il remplissait les salles ici en France, vous comprenez? C'était l'un des rares qui remplissait les salles. OK? Un caucasien. C'est la belle expression pour dire un blanc. Vous me suivez? Il me pose la question, il me dit, mais, apôtre Alain Patrick, moi je t'ai connu, tu avais une toute petite église à Rennes. À partir de quand ça a explosé comme ça? Et je lui dis, à partir du Covid. Le Covid a fait en sorte qu'on se multiplie par 10. Il dit, quoi? Et là, il y a un autre pasteur qui me dit, waouh, mais j'ai vu le rassemblement que vous avez fait à la traversée. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait du monde? Et je dis à ce pasteur, mais cette salle, ça fait 5 fois qu'on l'a remplie. Pourquoi vous tous m'envoyez des messages pour le 31? C'est pas la première fois qu'on remplit cette salle. Et quand je discutais avec mon épouse et quelques-unes de ses assistantes, elles m'ont dit quelque chose. Ils ont dit, en fait, avant BFM, eux, ils ne s'intéressaient pas à nous. Donc, on pouvait remplir les salles, ils ne s'intéressaient pas. Mais depuis BFM, ils se sont intéressés à nous. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup voyaient si le ministère allait continuer ou s'il allait être détruit. Mais si ce ministère est de Dieu! Ah! Ah! Si ce ministère est de Dieu! Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, mais Alain Patrick, ce que je mets en toi, tu mets en eux. Donc, il y a un feu qui est en eux. Ça veut dire que toi, en tant qu'individu, s'il te stoppe, ceux qui sont là, ils vont se lever. Et des églises vont naître partout. Vous comprenez? Et il m'a dit, on ne peut pas stopper quelque chose qui vient de moi. Quelqu'un me suit ici? Parce que Dieu sait que je suis sincère.
Dieu sait que mon épouse et moi et nos collaborateurs, nous avons sacrifié notre vie pour l'évangile. Écoutez-moi bien, si on voulait avoir du pognon, ce ne sont pas les églises qu'on aurait fait. On aurait fait des entreprises. Parce que si tu veux avoir du pognon, ce n'est pas les églises, je te dis la vérité. Parce que la majorité des chrétiens dans les églises, ils sont fauchés. Si ici, là, je demande, qui parmi vous a un compte à découvert, le trois quarts, vous allez remarquer. Le trois quarts joue avec les comptes. Donc, ce n'est pas intelligent pour quelqu'un qui veut de l'argent d'aller faire une église. Ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Tu veux de l'argent, fais des entreprises. Est-ce que je peux parler à un pasteur ici? Ramène-moi la caméra. Ramène-moi la caméra. Pasteur, si tu veux de l'argent, ce n'est pas une église qu'il faut faire. Ce sont des entreprises. Quelqu'un me suit ici? Je ne dis pas maintenant que celui qui, la Bible dit, celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Mais à un moment donné, votre prospérité ne pourra plus dépendre du petit salaire que ton église te donne. Toi aussi, cher pasteur, tu vas être obligé de créer des unités de production pour fructifier. Quelqu'un me suit ici? Si tu ne comprends pas ça, c'est compliqué. Amen. J'ai l'impression que le compteur là, il est éteint. Donc, s'il est éteint, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Levez-vous quelques instants. Mais il est éteint depuis un moment. Je ne comprends pas pourquoi il est noir comme ça. Il est noir comme ça parce qu'il est éteint. Donc, je suis là, je crie, je vocifère. Je vais à gauche et à droite, alors que le compteur est déjà éteint depuis longtemps. C'est déjà même fini, vous vous rendez compte? Je n'ai pas terminé sur la crédibilité, mais on a un cinquième culte. Amen. On a un cinquième. Ce que j'aime avec le cinquième, c'est qu'après le cinquième, il n'y a rien d'autre. Vous êtes là? Ah, oh, je vois le feu de Dieu dans vos vies. Je vous assure, on a une église bénie. Je vous assure, on a une église bénie, bénie. Ne vendez pas ce que Dieu a mis dans vos vies. Le feu que Dieu a mis dans vos vies, là, c'est une chose tellement précieuse. Il ne faut pas vendre ça. Il faut le garder précieusement. Il faut le chérir précieusement. Vous savez, quand j'avais votre âge, peut-être même moi, vous savez, les gens m'ont dit, ce que tu as dans ta vie est précieux. Et des personnes qui avaient 35, 40 ans, ils me disaient, garde ça, parce qu'on a vu des personnes rétrograder et perdre ce feu. Et j'ai enregistré, ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Quelqu'un me suit ici? Des années plus tard, mon zèle pour la maison de Dieu est bien plus grand que des années après. Quelqu'un me suit ici? Le zèle de ta maison me dévore. Ah, dis à ton voisin, ah, ça me dévore. Ça brûle. Ça brûle. Spirituel, je vois ça fume. Ah, la tête fume, tout fume. Cause du feu qu'il y a au-dedans. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ton peuple. Je prie que tu puisses le bénir. Père, que ce qui a été planté dans leur cœur puisse porter du fruit au nom de Jésus. Je prie Seigneur que ta grâce abonde dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que ces principes que nous enseignons au Dieu puissent les amener très 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 loin au Dieu. Je sais que tu veux faire de ces personnes des grandes personnes. C'est pourquoi, Seigneur, tu leur enseignes ces principes précieux de grandeur. Je prie que tu puisses les bénir, ô Dieu, et que tu les gardes fidèles à toi. Père, je les bénis et je déclare que, Seigneur, ton feu, ta vie, ton onction, ton excellence est leur partage. Je te bénis, Seigneur, parce que l'or et l'argent les accompagnent au nom de Jésus. Parce que le mur de verre, le plafond de verre financier dans leur vie s'écroule au nom de Jésus-Christ. Et ils touchent des montants au nom de Jésus qu'ils n'imaginaient même pas à cause de ces vertus qui se développent. Ils sont humbles, ils sont compétents, ils sont crédibles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur.